Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors ça va changer d'habitude, c'est pas une vidéo peinture, ça va être une vidéo différente. Comment bien préparer sa figurine pour un rendu, pour avoir un rendu peinture optimum. Alors on va utiliser aujourd'hui. Alors au départ je voulais faire cette vidéo, c'était pas prévu de faire cette vidéo, elle m'a été demandée, c'est pour ça que je l'ai placée à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc à la base c'était pas ça qui était prévu aujourd'hui, donc il y aura un petit décalage. Du coup moi je vais reprendre les vidéos comme je vous avais dit un par semaine, donc à partir de la semaine prochaine, on se reverra la semaine prochaine. Ce sera un tuto sur la fumée, comment peindre de la fumée. Ça aussi, ça m'a été demandé, donc à plusieurs reprises. Donc c'est un tuto qui sera fait. Juste pour le tuto, on verra au niveau de la fumée. Je ne sais pas si je ferai ça sur. Dites-moi dans les commentaires si je fais ça sur une figurine Warhammer, en l'occurrence cette partie de fumée ici, ou alors est-ce que je ferai pas la fumée qui sort du backpack pour une figurine Shatterpoint, voilà, ici. Alors je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Moi je partirai à ce moment-là sur le choix que vous avez décidé. Voilà. Dans les deux cas, de toute façon, moi je dois faire les deux modèles. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour bien préparer sa figurine. Quand je dis préparer sa figurine, alors je vous ai fait grâce de l'assemblage et tout le bazar. Sachant que dans l'assemblage, bah, c'est classique, quoi. À part j'ai bavuré, gratté, collé, voilà. Moi, je vous ferai voir une autre vidéo ultérieurement pour le montage des figurines, peut-être que j'en ferai une à part. Aujourd'hui, on va se contenter vraiment de le rebouchage de trous, enlever les lignes et compagnie, compagnie. Vous voyez, tout ce qui est disgracieux sur les figurines, comme par exemple ici, quoi. Vous voyez ici, là, tout l'en haut, tout autour, ici, cette zone-là. Au niveau du cou, au-dessus du rocher, vous voyez, pardon, au-dessus du rocher, vous voyez, il y a toutes les. Ici, au niveau des épaules, juste là dans le creux, ici aussi, au niveau du dos, là, voilà. On va, tout ça, c'est des zones qu'on va. Et ici, au niveau des cuisses, du fessier, au niveau du joli petit cul, vous avez vu là? Hop, voilà, et ici. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, on va faire ça ensemble. Alors là-dessus, moi je vais vous faire voir ce que j'utilise comme produit. Alors je ne vais pas vous conseiller de l'acheter, mais je vais quand même vous dire ces produits pour moi ils sont indispensables. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Alors il existe une multitude de produits hein, pour reboucher les trous. La Green Stuff, bien sûr, qui est archi connue. Chose que moi j'aime pas trop, la Green Stuff. J'aime pas le non, c'est pas mon truc. Moi je travaille avec de la résine plastique, donc 100% acrylique résine. C'est du plastique petit, en fait, ça vient de chez Valero. J'utilise que ça. La référence c'est 70-401. Avec ça on fait tout. C'est facile à travailler, c'est miscible à l'eau. C'est très costaud une fois que c'est sec. Franchement, moi, je travaille avec ça, je peux plus m'en passer. Et un autre produit qui se trouve être le Mister Surfaceur 1200, grain 1200. Alors, faut savoir que ce produit-là, je l'utilise depuis très très longtemps. Maintenant, ils en font d'autres. Je crois qu'ils en font même des colorés. Alors, vous trouvez ça dans votre magasin de modélisme. On en trouve dans tous les magasins de modélisme. Là, c'est la marque Mister Hobby, mais je crois qu'il y a d'autres marques. Je ne sais pas si Tamiya en font pas. Ou d'autres marques. Je sais plus quoi exactement comme marque, mais. À vous de voir avec votre magasin de modélisme. Là-dessus, faut savoir qu'il y a plusieurs grains. Moi, j'utilise le 1200 et le 1000. Là, en l'occurrence, je vais utiliser le 1200. Alors, c'est du grain fin. Faut savoir qu'il y a plusieurs grains. Il y a du 500, il y a le 1000, il y a le 1200 et le 1500. Jusqu'à maintenant. Maintenant, moi, j'utilise ce produit. C'est un produit de finition. Moi, j'aime beaucoup. Alors, faut savoir que ce produit, ça se dilue. Alors, je vous ferai voir tout à l'heure, quand on utilise ce produit, on utilise des vieux pinceaux. Déjà, à l'origine, des très vieux pinceaux. Et en même temps, je vous ferai voir pour. Alors, il existe le diluant de la marque. Moi, personnellement, je m'en fous. Je l'utilise pas, je le mets directement. Et ensuite, je nettoie mes pinceaux avec du thinner énamel, tout simplement. N'importe quel thinner en fera l'affaire, je pense. Même du White Spirit, je pense que ça fera l'affaire. Voilà. Bon, ça, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est ici. Alors, le cobaye, ça sera celui-ci. C'est une figurine qui va être peinte dans les jours à venir. Je vais devoir donc lisser tous les crevasses que vous voyez. Et je vous ferai voir comment je fais. Ben, c'est simple. Vous allez voir, j'utilise ma pâte magique. Alors, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut l'utiliser directement. On peut l'appliquer sur une palette et mettre une goutte d'eau à côté, chose que je vais faire après aussi. Je vais rajouter de l'eau que je vais mettre à côté.
Alors c'est de l'eau, hein. Ni plus ni moins que de l'eau que j'ai, rien d'autre. Ni plus ni moins que de l'eau. Et je peux en mettre un tout petit peu ici. Alors ça sèche relativement vite, mais pas trop vite. J'aime bien. Et on peut l'appliquer directement via ben, le petit guide là. Directement sur la à l'endroit où vous voulez en mettre, ou alors vous diluez, vous mettez au pinceau. De toute façon, dans les deux cas, nous, on fera les deux. Alors, on va commencer. Alors, moi, on va y aller direct. On va aller là où c'est disgracieux. Ben, regardez, je vais faire alors une petite pression. Je vais mettre tout le long. Voilà, comme ça, je vais aller juste en bas. Vous voyez? Voilà, je vais faire tout le tour comme ça. Voilà, et comment j'applique? Alors, là, au début, évidemment, c'est disgracieux. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre un coton-tige que je vais imbiber. Je peux le faire avec le doigt, j'ai déjà fait avec le doigt. Hein. Et on va le faire professionnel, on va utiliser des cotons-tiges, ça fonctionne très bien. Et on va venir lisser. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. On va venir lisser. Voilà. Alors, il faut savoir qu'après, quand vous en avez sur les côtés, ça s'enlève très très bien à l'eau. Ou alors, une petite lime pour poncer, ça va très très bien. Voilà, on continue. Voilà. Et voilà. Vous avez vu? Il n'a pas fallu longtemps. Alors des fois, on peut le faire deux fois. Et si vraiment vous êtes embêté, eh bien vous utilisez de l'eau. Je vais vous faire voir. Ici, on va en mettre un tout petit peu ici. Donc là, je vais prendre un pinceau. Alors ce coup-ci, je vais prendre un pinceau, un fin, hein, plus ou moins. Je vais prendre de la pâte, là. Je vais prendre un peu d'eau. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Et je vais venir en mettre. Tout dépend après du creux que vous avez. Comme là, c'est une petite fissure. Donc ça va venir ben, ça va venir bien combler, quoi. Du fait que c'est très liquide. Ça va se prendre dedans. Voilà. Vous voyez? Je vous fais voir les plusieurs façons de l'utiliser. Hein, directement, à l'eau, dilué, ou comme vous voulez. Vous pouvez aussi. Après, quand vous en avez trop, ben, vous essuyez votre pinceau sur le côté. Vous mettez votre pinceau. Et hop, vous absorbez le surplus d'eau, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez? Après, on peut reprendre son coton-tige et on vient lisser. Voilà. Là, ce sera le premier travail, en fait. Après, il y en aura un deuxième. On va faire pareil. Alors, je vais faire ici aussi. Vous voyez? Je vais y aller directement. Tout dépend de la fissure. Vous y allez directement ou alors vous y allez avec le pinceau. Là, je vais faire la troisième méthode. Bah, c'est, vous mettez directement la pâte sur où il y a les creux. Ensuite, on prend de l'eau et on vient lisser, tout simplement. Voilà, vous voyez? Alors, on n'a pas peur d'en mettre. Par capillarité, ça va se mettre directement dans les creux. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, ben, on rince le pinceau et on va venir absorber l'excédent. Voilà. Vous avez vu? Rien de sorcier. On va faire ça sur toute la figurine. Alors, je vais en mettre ici dans le cou aussi. Alors, là, par contre, la crevasse n'est pas très prononcée. Dans le coup là, donc ce qu'on va faire, on va aller directement au pinceau. Alors je vais prendre directement de la pâte, voilà. Je vais en mettre directement au pinceau, vous voyez, comme ça. Voilà, je vais rincer et je vais prendre de l'eau. Et voilà. Voilà. J'enlève l'excédent d'eau, vous voyez. C'est un produit qui est très facile à utiliser. Vraiment, je vous conseille ce produit. Alors moi, bien sûr, j'ai rien hein, de chez Valero. Hein. C'est des produits que j'utilise vraiment depuis longtemps. Il existe, Aka en fait une aussi, qui va très bien. Je l'ai aussi d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que ça faisait longtemps que je l'avais. Et je me suis rendu compte qu'elle avait séché avec le temps. Mais moi, ce tube que j'ai là, de chez Aka, il date de, je dis pas de bêtises. Celui-là, je l'ai acheté, quand j'ai acheté ce tube, c'était en 2014. Alors imaginez, ça fait presque 10 ans que je l'avais. Il est toujours valable, mais il a un peu séché. Chose que la plastique petit ne sèche pas. J'ai jamais bouché, que ce soit le bout, jamais. Ce que vous faites, arrivez au bout, bah, vous essuyez, et puis basta, vous n'avez plus de soucis. Voilà. Alors on va continuer, ici. Alors je suppose, j'ai rien inventé, hein, ce produit il existe. Hein, il y a peut-être même que des personnes ont déjà fait des tutos dessus, j'en sais rien. Moi, je regarde pas ce genre de machin. Je vous fais voir exactement ce que moi j'utilise et comment je le pose, tout simplement. Voilà. Vous voyez? On va mettre de l'eau. Voilà. On va enlever l'excédent avec le pinceau. Voilà. Là où il n'y a pas lieu d'en avoir.
et on va lisser la pâte. Voilà. Alors j'ai une pâte qui va un petit peu se rétracter, mais pas tant que ça. Donc souvent, on peut refaire deux passages. Ça dépend du creux que vous avez en fait. Et tout dépend de comment vous gérez votre pâte. Si par exemple, j'en mets directement, vous voyez comme là, par exemple, ici, là, je vais aller tout autour. Voilà. Bon, là, il y a pas mal de pâte. Quand vous trempez votre pinceau, bon, bah là, ce sera vraiment suffisant, quoi. Il n'y aura pas besoin, je pense, de refaire un deuxième passage. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, après, moi, derrière, je vais repasser une couche de produit surfaceur pour lisser, en fait. Vous allez voir. Voyez? Voilà. Alors, ça va bien, ça va vite, hein. Vous voyez, ça traîne pas, hein. C'est vraiment. Ça va sécher assez vite, hein. Je peux vous dire qu'ici, il est presque sec. On va remettre ici au niveau du poignet aussi, j'avais pas vu. Je viens de le découvrir à l'instant. On va reprendre un peu de pâte. Voilà. Vous avez vu, je fais un gros travail au pinceau quand même. Voilà, je vais en mettre à l'intérieur. Oh, il y a une belle fissure à l'intérieur. Voilà. On ne voit pas bien avec la caméra, bien sûr. Ça m'aurait étonné. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. J'en ai mis là-bas. Je vais mettre un peu, je mouille un peu le pinceau. Le focus, il se fait vraiment pas bien. Excusez-moi, mais là, franchement, je ne peux pas faire autrement. J'ai la caméra sous le nez, j'arrive pas bien à gérer le truc. Voilà. Je vais remettre un peu. Voilà, on va rincer. Et voilà. Bon, le concept et le principe est le même. Hein, vous voyez? Voilà. Alors, je vais faire ça sur toute la figurine. Je vais le faire y compris au-dessus. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que tout est bien fait, ouais, tout est bien sec. Alors j'en ai mis partout, hein, je me suis même rendu compte qu'il y avait une petite fissure aussi sur le nez, au-dessus. Vous voyez le rendu que ça fait? Ah voilà quoi. Vous voyez? C'est tout simple. Voilà, ça se passe bien, ça se pose très bien. Voilà, ici un autre modèle qui est en cours aussi. C'est pour vous faire voir exactement. C'est un modèle un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus travaillé, bien sûr. C'est une figurine d'expo. Vous avez vu ici, là, j'en ai mis ici. Voilà. Là, ici, là, à ce niveau-là. Vous voyez? Voilà, ici. Est-ce que j'en ai mis encore ici devant? Voilà, vous voyez? Bon, bah, ça, c'est fait avec. Comment? C'est fait avec la plaque, la résine, la plastique petit, acrylique résine, Valero. Voilà. Alors là, le plus gros du travail est fait. Ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va lisser tout ça. Parce que bon, là, je pourrais le laisser tel que. Alors, je sais qu'il y en a quand ils préparent leur figurine, ils s'en foutent, ils passent outre. Moi, je trouve que bon, si vous faites une belle figurine, ça mérite quand même d'être travaillé. Surtout ce genre de figue, hein. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Vous voyez, quand on regarde bien les. Ah, excusez-moi pour la caméra. Attendez, je vais regarder. Voilà, c'est mieux. La caméra, elle a merdé un petit peu. Excusez-moi. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, bah, on va utiliser, après ça, alors comme je disais, je sais qu'il y en a qui, bon, ils passent outre, hein, quand on a des fissures, enfin des creux, tout ça. Surtout ceux qui jouent beaucoup, qui n'ont pas le temps de travailler leur figurine. Mais bon, là, c'est vraiment. On parle de. Quand on fait une belle figurine, on aime bien quand même qu'on voit plus de lignes de moulage, plus de fissures, plus rien, quoi. Ben moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois. Maintenant, je vais vous faire voir une autre façon de faire aussi. Alors, moi, je pourrais le laisser tel que, mais je vais le relisser derrière. Vous allez voir. Pour ça, je vais utiliser du surfaceur. Alors, pour le surfaceur, j'ai une autre figurine qui est en préparation aussi. C'est celle-ci. Le surfaceur, c'est un peu différent. C'est gris. Vous voyez, c'est directement comme ça. Là, il y en a qui ont été posés directement à même la figurine. Vous voyez ici, là. Ici, au niveau du. En haut là, ici, là, faut que je remette encore une couche parce qu'on voit encore légèrement la fissure. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien.
Là, ici, on la voit encore un peu. Alors, j'ai pas fini, hein, j'en ai encore à faire. Mais c'est pour vous faire voir exactement ce que ça donne une fois que c'est posé. Après, une fois que tout est nickel, on passe à sous-couche. Voilà. Alors, on va recommencer. Alors, on va prendre la figurine celle qui nous sert pour le tuto, celle-ci. Alors, pour cette figurine, donc, eh ben, on va prendre du surfaceur. Alors là, par contre, moi, ce que je vais faire, je vais bien secouer le pot. Je vais mettre un peu d'acrylique, ça sera pour rincer mon pinceau uniquement, hein. Ni plus ni moins. Je vais pas utiliser, moi je le mets directement à sec. Voilà. Donc là, je mets directement du thinner énamel. Voilà. Okay. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir prendre un pinceau qui me sert qu'à ça. En l'occurrence, celui-ci, un pourri, un pinceau complètement naze. Comme quoi, il faut les garder. Allez, on va ouvrir. Alors, ce produit sent mauvais. Ah, et faites ça dans une pièce aérée, c'est un conseil. Ça sent pas très bon. Et puis, ben, on va y aller, hein. On fait comme de la peinture, en fait. Alors, c'est épais, visqueux, c'est assez liquide quand même. Et on va poser, vous voyez. Alors, j'y vais comme ça, à franco. Alors, faut savoir qu'au début, ça fait épais. Mais quand ça va sécher, ça va s'étirer. Et ça va pas enlever vos détails. Alors, faut y aller mollo quand même. Il faut pas mettre trois couches non plus, hein. Vous voyez? Voilà. Alors moi, j'en remets à chaque fois systématiquement dès que je passe mon plastique petit. Alors tout dépend des figurines. Les grandes figurines, j'en mets pas forcément. Les petites figurines, pardon. Ça dépend des fissures, en fait. Vous voyez? Comme là, par exemple, si je vais en remettre. Voilà. Alors je le pose, hein, simplement. Ça se pose comme une peinture. On pourrait même tout recouvrir si on voudrait. Mais moi, je vais le laisser tel que. Vous allez voir après. À la sous-couche, il n'y a rien qui va bouger. Ça sera exactement pareil. Voilà. Alors, faut savoir que c'est un produit qui va bien se rétracter. Des fois, on est obligé de mettre plusieurs passages. Tout dépend du grain que vous utilisez et de la fissure que vous avez aussi. Vous voyez? Ça se met comme une peinture, hein, tout simplement. Après, quand vous voyez que vous êtes sur une petite zone, bah, pour éviter une trace ou quoi, bah, vous en mettez partout. C'est pas un problème. Oh là là. Et ici, pareil, vous en mettez là, bah, dans les creux. Moi, je m'amuse pas à viser, hein, je mets directement. Voilà, on va tout lisser tout ça. Voilà. Vous voyez, ça se met, c'est facile à utiliser. Pour moi, ce sont des produits vraiment, c'est indispensable. Pour nous, dans la figurine, c'est un produit qui est utilisé dans le maquettisme en général. Mais j'ai déjà vu qu'il y a des gens qui faisaient des sous-couches directement avec ça, quoi. Préparation pour une sous-couche. Ça permet de reboucher les trous, les imperfections qu'on peut pas avoir, les petites lignes, tout ça, ça les gomme en fait. Alors, moi, je l'ai compris comme ça, quoi. Quand on m'en avait parlé de ce produit, il y a longtemps, hein, que j'utilise ça. Oh là 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 là. Ça fait des années que j'utilise ces produits. On en parle plus maintenant dans le milieu de la figurine. Avant, quand on utilisait ça, on n'osait pas dire, oh bah moi j'utilise ça pour fixer, pour gommer mes creux sur mes figurines et compagnie, compagnie. Et non, aujourd'hui, on peut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, avant on n'osait pas. Maintenant, oui, vous voyez. C'est pas des secrets, hein, y a rien de secret là-dedans. Hein. Un produit à avoir, hein, je vous conseille. Ouais, c'est un produit à avoir absolument. Voilà, vous voyez? Ça gomme bien, ça lisse bien. Le seul inconvénient, c'est que ça sent pas bon. Mais au bout du compte, eh ben, vous allez vous y retrouver sans problème. Hop, j'en mets ici aussi, sous le bidon là. Voilà, ça permet. Voilà, je vais essuyer et voilà. Vous voyez, voilà. Je vais rincer mon pinceau. Hop, alors ça se rince, je le rince dans l'énamel, hein, tout simplement. Voilà. Alors il y a le produit, hein, pour ça. Vous avez le produit qui existe. Hein, voilà. Vous voyez? Surtout pas à l'eau, hein. À l'eau, voilà, c'est fini. Votre pinceau qui est déjà flingué, il sera encore plus flingué. Surtout pas d'eau là-dedans. Voilà. Alors ça, je vais le refermer parce que ça sèche assez vite. Et on va attendre si toutefois on a un deuxième passage à faire. Voilà. On se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous avez vu, tout est recouvert, on voit plus les fissures, c'est lisse. Vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va la sous-coucher ensemble. Vous allez voir, on va aller jusqu'au bout.
Alors pour ça, je le fais à l'aéro. J'utilise la sous-couche Prince Auguste. Voilà, le noir primer. Vous allez voir que eh ben on verra plus rien. Bon, c'est pas passionnant la sous-couche. Et voilà. Et on voit plus rien. C'est nickel. Voilà. Voilà, on va attendre que ça sèche et on se retrouvera juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sous-couché, je vais faire un petit zénithal du dessus à l'aérographe. Alors tout, je le fais en gris spectre, toujours. Voilà. Ça c'est pour moi la peinture après, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez? Bien sûr. J'ai pas assez. Voilà. Alors, je vais du dessus, hein. Toujours comme d'habitude. Voilà, je vais insister sur les zones les plus prononcées qui prennent le plus la lumière. Vous voyez? En l'occurrence, ça va être au-dessus de la pierre ici, au-dessus du visage, dans le bras ici, là, le bidon. Un petit peu les genoux, les pieds. Voilà. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur la. Une fois, un T4 sur la préparation de la figurine. Vous allez voir ce que j'utilise aussi. Alors, franchement, au niveau de ces produits, je vous les conseille. Ce n'est pas les produits les plus chers. C'est à posséder. Voilà. 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 Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez vu exactement ce que j'utilise comme produit. En fait, j'en utilise pas des masses. Hein. J'utilise que deux produits. J'utilise ça et ça, tout simplement. Voilà. Là-dessus, bah, je vous ai fait voir hein, sur les modèles qui sont en préparation. Là, en ce moment, je suis en train de peindre celui-ci. J'ai pas fini. J'ai encore du travail dessus. J'ai le socle à faire. Pas encore fait. Je remettrai certainement. Enfin, il est pas encore terminé, mais je vais encore avancer dessus. J'aime beaucoup cette figue, un plaisir à la peindre celle-là. Je suis en plein dedans là. Et cette semaine j'en ai peint d'autres, mais qui sont partis. Et là je suis en train de peindre. Je suis en train de commencer Star Wars Shatterpoint. Voilà. Donc je ferai des tutos moi sur des parties de ces figurines en fait. Si ça vous intéresse, dites-moi. C'est pour ça que j'avais repéré la fumée du backpack d'une figurine. Il y a d'autres choses que je ferais, peut-être le blanc, comment je traite le blanc. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit, si ça vous intéresse. Moi, je serais tout oui d'y participer. Alors moi, je vous dis, alors une chose, si vous avez aimé ce tuto, partagez, likez, un petit pouce bleu, un commentaire, sans déconner, ça fait du bien. On a franchi la barre des 4500 abonnés. On est en route vers les 4600, c'est extra, c'est bien, tout va bien. Le Discord et tout, je mettrai le lien Discord dans la description sous la vidéo, ainsi que le matériel et le Tipeee, celui qui veut soutenir un petit peu la chaîne Jeux Miniatures, eh ben, le Tipeee ben, il sera bienvenu pour ça. Je remercie déjà les tipeurs qui participent. Là-dessus, moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on se verra pour un tuto fumé, peindre, comment peindre de la fumée. Fumée avec un peu de. Avec un peu de. Comment dire? De la fumée flamboyante, quoi. Vous allez voir comment ça va donner.
Et puis, moi, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, de bonnes peintures, bonne réalisation. Et j'espère encore une fois que ce tuto vous aura bien servi. Vous voyez, on ne voit plus rien. Que ça vous aura bien servi. Et que ces deux produits, ben, je vous les conseille absolument. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Un bon week-end. Portez-vous bien, de bonnes peintures. Et à la semaine prochaine. Ciao!